Bon, aujourd'hui, je vais tester mes nouvelles roues. J'ai acheté ça sur internet. Et du coup, c'est un test. Bon, ça peut payer comme ça peut ne pas payer. J'ai payé 50 euros les roues. Et donc, du coup, entre guillemets, ça coûte rien d'essayer. J'y ai mis des Pro un peu section 35. Cyclocross, donc des Schreiber, et on va tester ça. Là, j'ai acheté sur AliExpress une roue libre de 10 vitesses du 11-36. J'ai racheté des étriers, des mâchoires de frein. Changer les disques, les neufs, la tête neuve, et donc les essayer de train avant et arrière. Donc voilà. Bon, j'avoue que bon, la problématique c'est que vous voyez, c'est à 10 pour la roue arrière, donc j'ai embarqué avec les clés de rechange, et puis voilà, j'ai pris mon sac à dos. Voilà, c'est pas inconvenant. Alors, premier arrêt, je vais vérifier la pression des pneus. Je sais pas combien elle était, donc du coup, on va regarder ça. Combien? 2, donc on va revoir ça. Je vais mettre 2,8. Bon, je suis un peu à 3. Ouais. Ça. J'avais l'impression que j'étais un peu léger, donc du coup je préfère mettre un peu plus tard. Je déteste rouler mou, alors du coup voilà, voilà, je suis presque bon. J'ai mis 3,2 à l'avant. Voilà, voilà, donc le vélo est prêt, donc du coup on va s'y mettre sérieusement. Alors, ce qui a d'avantage, c'est que là sur Marc Ambareux, on a des bornes comme celle-ci qui sont installées un peu partout, et dans la métropole lilloise d'ailleurs, ça s'est bien démocratisé, et donc du coup chaque point entre guillemets, il y a possibilité de gonfler ses pneus et d'avoir des petites clés pour éventuellement 2-3 petites réparations vite fait, bien fait. Ce qui arrangera bien des gens certainement. Voilà, c'est top. Voilà, voilà. Alors voilà, c'est parti. Là, je suis en grappel. Chemin de marche. Comme d'habitude. Yep. Il fait de la lutte armée. Ah, comme d'habitude, les mecs ils regardent pas toute la route. Ils n'ont pas compris que
c'était une route partagée. C'est toujours pareil. Et après, c'est nous qui se faisons engueuler, donc... Enfin bref. On se retrouve sur le long d'Adel, près de l'île, on a l'écluse. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est... C'est du chemin gravel facile, donc tout va bien. On verra plus tard. Ah, c'est super beau. On a un tour fait là. Chemin facile. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. Quand vous voulez rouler peinard, on reste le long du halage. Et de l'île, on s'est allé jusqu'à Vingles. Facile. Et de l'autre côté, jusqu'à Tourtecoing. Après, en passant par Roubaix, on peut aller jusqu'à Yerzo et après, on passe en Belgique et c'est super top. Oh, voilà, bon, ça fait une heure que je suis parti tranquillement. Alors, avec la circulation et autres péripéties. Il y avait un tournage. Ça doit être l'effaceur ou je sais pas quoi là. Enfin bref. Donc du coup voilà. Alors, le vélo. Il tourne bien, c'est top, franchement, je suis heureux, pour une fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ah voilà, du coup, là je suis toujours près de la Deule, je suis sorti de l'île, je dois être autour de... Je pense au Bourdin ou enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, l'aventure continue. Bon, j'ai quand même pris des clés avec, on sait jamais. Voilà. Il faut aller tranquille parce que laisse tomber à une main, pardon,
C'est chaud. Ça c'est beau là. Alors franchement là, on a quand même des beaux parcours dans le coin là. Bon, c'est certes plat, mais voilà. Alors je prends une partie du circuit de l'équinoxe. Rémi Quinquin avait tracé cette belle randonnée organisée par le café de Strat à Lille. Et donc du coup voilà, je reprends quelques kilomètres sur cette trace qui était vraiment tip top, aussi bien endurance qu'aussi bien intensité. On peut le prendre des deux sens sans problème, avec des tronçons gravel, des tronçons pavés, des singles. Donc franchement c'était tip top et rien de plus d'intéressant de tester sur tout ça mes nouvelles roues. Donc voilà, pour l'instant on va dire que ça tient, pas pris de risque non plus, hein. il faut être prudent. Donc je vous montre, ça roule, c'est super beau. Aujourd'hui, le temps n'est pas terrible, mais la température est bonne. Franchement, je me suis habillé en long et je regrette un peu parce que il fait chaud. Mais bon, ça va brûler des graisses. Mort de rire. Bien. C'est une gueule qui passe bien, mais avec des trous qui vous surprennent. C'est tip top. Bon ben pour l'instant c'est top. Je suis passé sur des pavés, je suis passé dans des chemins gravés, je suis passé sur des boues. Bon, là, ça passe bien. Voilà, là je viens de sortir d'un petit bosquet, donc du coup un petit plan d'eau là, franchement ça, c'est top hein. Pour promener voilà. Je pense qu'on n'est pas loin de Wavrin ou Évingues. Donc du coup voilà, l'autre fois on m'a dit qu'on n'était pas loin de Vingles, donc je vais aller jusqu'à Vingles, on va voir un peu ce que ça donne comme parcours. Franchement voilà. Bon ben le vélo il restera plus qu'à nettoyer pour après hein. Et voilà.
s'il va dans le rayon, c'est mort. Allez. Oh putain, merde! Retiens ton pied, merde! Fais chier! Alors? Non, le problème, c'est que vous avez mal éduqué, c'est ça le problème. Il m'a mordu, hein! Il m'a mordu là, hein! Saloperie, ouais. Voilà, donc la sortie est terminée. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé, mis à part l'épisode avec le chien, mais bon, ça arrive. Bon, j'espère que j'aurai pas. Je ne veux pas choper la rage. Non, je rigole. Donc, du coup, voilà, le vélo est un super bon rendu. Franchement, j'ai apprécié. Voilà. Il y a juste un petit frottement avec les plaquettes de frein que je vais étudier et régler ça. Voilà, il se trouve que bon, il y a dû avoir quelque chose qui s'est glissé dans les plaquettes et du coup ça a frotté. Bon, je vois que la roue avant un petit peu désaxée. Voilà. Et la roue arrière, bon, ça va, mis à part le petit souci des plaquettes, je sais pas, peut-être, quoique, bref, voilà le vélo, enfin à la hauteur de mes attentes. Bon, c'est un cadre super léger, mais les roues un peu moins. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le rendu soit bon, et donc du coup, c'est tout à fait à ma convenance. Puis, le budget, faut qu'il suive, quoi. Donc voilà. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous plaira et que d'autres ont envie. Je vais partager de toute façon toutes mes aventures. De toute façon, à chaque fois qu'il y a, à chaque fois que je sors, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça peut être intéressant pour les, ne serait-ce que pour les aventures, pas l'esprit sportif, mais plutôt les aventures et les couacs. Donc c'est marrant. On m'a appelé le MacGyver du cyclisme. Ben, c'est peut-être ça. Hein. Donc du coup, hop là, voilà un petit coup de vent. Hop. Alors aujourd'hui, on va faire ça. Voilà, 2h40, 60 bornes, 22,60 de moyenne. Bon, après la limite, on s'en foutait. L'important, c'est que je me faisais plaisir. Et que le parcours soit à la hauteur de mes ambitions vis-à-vis du vélo. Et donc parfait. Pas trop, on va dire, rentrer dedans. Pour l'instant, on va dire que la première étape s'est bien passée. Voilà. Bon allez, à bientôt. Ciao.